Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Sorti B2M pour arriver Bombado Police, mon chien c'est un parti dans route là qui représentait gros danger pour passagers dans machine ou soit sous moto. En pile accident qu'on fait là, à cause mon nan piti, li en roche et puis le glisser. Journée jeudi a gen plusieurs équipements TPTC cap travail dans mon chien, yo commencé ouvrir route là et puis pour y al bétonner 4 km là-dedans. Travail ça entré dans cadre projet président Jovenel Moïse mettait sous pied pour interconnecter 4 communes dans le nord-ouest là et puis changer figure. N'a parlé de B2M, Bombado Police, Jean Rabel et Mol Saint-Nicolas. Moins à gommer pour 4 km route là pour le bétonner, mais nous même on a pas eu. Si on pas accompagné, on pas capable parce qu'en tout son programme on commence le 15 décembre, moi je vais finir 15 jours c'est ça pour me faire 50 km route dans le bas nord-ouest. Parce que nous réunissons ça. Ça veut dire que pour me parler de ma bétonne, tout bête, tout sur le BDN pour y aller bombarder. Tout le point critique. Bombarde pour y aller mol, point critique. Mol Saint-Nicolas pour y aller Marouge, tout point critique. Vous avez dit zone qui est difficile. Mol Saint-Nicolas pour y aller mol, mais Jean Rabel, zone qui est difficile. Marouge pour descendre Jean Rabel, zone qui est difficile. Jean Rabel pour y aller mais Jean Rabel. Toute zone qui est difficile, on a pressé la mettre sur le béton et Jean Rabel va le coller sous bord de paix. C'est pour nous dire, nous, ça, nous prenons un saximent, mes amis. Nous trappons nous là qui bâtit gaille. Le kilomètre dans le béton, nous mettons un saximent, on va là, on met 12 000 saximent. Un kilomètre là, on va mettre 110 000, 14 000, Ah 17 000 accidents. Environ 17 000 accidents par kilomètre. Au monde chaîne bien 70 000. 70 000 accidents pour le passer dans le monde chaîne. Ça veut dire nous comprenons pour 80 km. Ça veut dire l'ENTA multiplié 17 000 par 50. Là, combien d'accidents pour faire tout le travail. C'est pour nous comprendre que ça, l'air des sacrifices qu'on s'est fait, qui menait pouvoir tourner le bon nous. C'est pour nous comprendre nous. Et c'est ça ma point de vue. Ma garçon, mesdames, nous avons fait voter de loi, nous faisons un bel dégager, pas la guerre, nous avons travaillé. Ça a fait manger, nous avons pris une note pour les 15 ans arrivés, pour nous dire que les 15 ans arrivés, nous ne pas payer, nous ne sommes pas manger. Non, c'est pour nous dégager, nous avons toujours pas chantier à manger. Il faut nous dégager, nous parce que sauf ça mène à nous là, nous disons ramasser, assurer nous les tourner. Pour mon ça pour me repousser encore pour me capter pour les soirs sur 4 km. Pendant passage là dans département nord-ouest là, président Jovenel Moïse rencontrait leader communautaire dans 4 communes côté travail infrastructure routière ça yo a réalisé pour l'informer citoyen yo de projet ça et demander appui yo. Pendant TPTC commencé à grandir mon chien, président Jovenel Moïse t'a visité bateau qui portait premier lot 17 000 sacs ciment qui déjà arrivé pour al bétonner premier kilomètre dans route mon chien. Cérémonie ça, jeudi, ça nous est là. Il participait dans la reconstruction du pays d'Haïti. Il participait dans la reconstruction de la capacité de défense, dans la reconstruction de la capacité d'assurer la sécurité territoire. C'est quand nous avons un lieutenant, un sous-lieutenant qui l'a, qui nous demande, qui sorti dans l'Académie d'Apcote aux États-Unis, nous demandons pour nous assurer le contrôle, le travail, pour nous mettre en place. Service d'accord. Nous avons à peine une semaine que nous renommons le monde pour notre tête corps d'aviation. Nous avons donc corps d'aviation, c'est un peu plus longtemps, ça fait 2 mois, mais c'est notre transmission. Il y a seulement une semaine
que nous faisons. Nous, ça rappelle un paquet de bagailles. Ça rappelle que en 1800, dans les années 1700, pardon, à la fin de 1700, lorsque en 1700, précisément 1793, il y a un défilé dans la ville, au Cap, dans l'autre côté, dans le pays, avec soldats noirs, l'armée indigène, eh bien, tout le monde blanc, il y a tapé. Il y a du gardon, c'est une ville, il y a pas de souliers, il y a pied à terre, pantalon chiré, il y a des tournées, c'est bout de manchette, c'est bout de bois qui l'ont mis, même ça, yo. Côté où t'as allé? Il n'y a pas qu'à aucun côté. Il n'y a pas de gens qui arrivent. Regardez les gens où il y a. Eh bien, pas même une année après, nous avons dit qu'il était déchiré, qu'il était gagné. Eh bien, il était venu l'armée la plus disciplinée qui gagne. Même ça, c'est lui-même qui sortit tête, sortit nous tous dans l'esclavage. C'est lui-même qui bat plusieurs fois d'ailleurs. Nous, armée qui est réputée comme à l'époque, armée de pays puissante qui donne le nom de l'armée française. Mais nous combattons tout dans l'autre moment pour victorieusement, pour être capable d'assurer nous liberté avec indépendance. Nous. Donc, je dis, malgré des vues et manque d'habitude, manque d'audace que nous avons là, mais ça n'a fait là son début. Début d'une construction. Une construction, l'espérer pour toujours. Parce que depuis gagner Haïtien, depuis gagner Haïti, a gagné fort de l'armée d'Haïti. Donc, si Haïti n'a pas jamais, Haïtien n'a toujours mouru, n'a pas mouru, bloc petit nous, a levé pour reprendre l'étendard, pour voter de la poire, pour voter le plus loin, eh bien, depuis Haïti, depuis gagner Haïtien, a toujours gagné l'armée d'Haïti. Donc, c'est ce mot ça. Diminuer de manière considérable. Parce que comme ça, on a des créations de richesses là, mais également l'inflation réduit la capacité de nous pour acquérir des biens et des services. Et tableau, ça monte très bien. Et nous voyons que pendant le mois d'août là, ce n'est pas seulement un rythme annuel pour nous calculer, mais on a des rythmes mensuels là, 3,3%. Donc ça monte qui anime ce vivre là cette année 2020. Qu'on a une côté de change là. Pour mensuellement, en octobre, nous commençons à 92 groupes. Et nous avons une augmentation continue du taux de change jusqu'au mois d'août, qui va être un mois historique, lorsque le gouvernement central là, est prêt à dire comme ça que fondamentaux économiques n'ont pas reflété l'augmentation continue ça, et nous avons ça parce que l'importation a diminué, mais il pose un paquet de problèmes pour l'économie haïtienne. Donc deux extrêmes ça, économie par un mot, spéculation à la hausse, et ensuite une spéculation à la baisse, parce que le marché a cherché ça au lieu plancher. Voilà, nous avons cherché plafond, nous avons cherché presque 120 gouttes, et plancher, nous avons fait 64 gouttes là, mais nous avons reflété, nous avons monté en quelque sorte. Donc, un indicateur qui est extrêmement important à prendre en considération. Maintenant, l'aspect financier de la question, à savoir, PILOC veut dire moins que 7 pour l'État, parce que nous rappelons pendant le mois d'octobre-novembre, on a parlé de l'année 2020, on a parlé de l'exercice fiscal qui commençait en octobre 2019, qui va finir en septembre 2020. Donc l'État, on va regarder si nous avons des patrimoines, combien comme l'État entré dans la caisse, si nous divisons le par 3, on va voir que l'État est en moyenne capable d'entrer seulement 7,3 milliards de gouttes par mois. Pendant que même l'État a dépensé à peu près 15 milliards de gouttes par mois. Donc, mais comment que nous retrouvons dans une situation avec un déficit budgétaire assez important, qui est mondial? Mais nous-mêmes, nous avons un espace fiscal pour nous être capables de faire face à ce problème. Et comme l'État, l'aide besoin de l'argent, c'est surtout la Banque centrale à l'aide, donc nous avons regardé le graphique, ça, financement monétaire, là, qui passe suspendre, augmenter. Donc c'est un déficit budgétaire record, pas annuellement, même au niveau trimestriel. Donc masse de gouttes qui viennent de circulation de l'économie, hein, par rapport à deux la capotrée, comment deux la capotrée, nous avons regardé exportation et importation. Dans le premier trimestre là, l'exportation n'est pas trop affectée pour qui ça, malgré le pays là, le secteur de l'assemblage
pas subir un gros choc. Nous, l'Assemblée a eu des moyens, glisser, courir, aller travailler pendant le pays de plat, on va voir l'exportation, pas plus bas, passer ça. Il y a trois secteurs dans l'économie, le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur des services. Le secteur agricole a pris un gros choc pendant l'exercice fiscal pour deux raisons. Problème de pluviométrie, et deuxièmement, à cause de chaîne d'approvisionnement. Pas de possibilité pour nous de se prendre dans pour sortir le plateau central, sortir la Tibonite pour être manger dans le plus gros sept côtés qui consomment plus de produits. Donc c'est ça que le pays doit être le choc ça qui est bon le secteur de l'offre. Également le secteur industriel qui bat le marché local. Depuis 2018, si nous rappelons très bien, avec le problème nous était 6-7 juillet, depuis le secteur des services touristiques là, diaspora vient des difficultés pour arriver dans le pays d'Haïti. Dans le pays local, la même situation. Confinement, ça n'a pas changé en quelque sorte. Donc, entrée de division vient diminuer dans l'économie haïtienne. Maintenant, ça, ça montre, il va montrer une quantité d'argent qu'on mettait dans l'économie haïtienne. Mais pas pour favoriser la production, puisque nous voyons que l'économie s'est contractée, la contractée. Donc, l'on voit une masse goutte à travers l'économie, on prend de octobre 2019, de 444. Milliards à 588, il va montrer une explosion de plus de 30%. Donc il y a un peu l'argent dans l'économie et comme pas bien facile, expliquer, ça nous démontre une inflation qui paraît à plus de 20% jusqu'à près de 30% au niveau de l'économie haïtienne. La modernisation et le développement de la flotte maritime nationale, la construction d'une cale sèche en Haïti, la protection des zones côtières, la gestion de la pollution marine, la création d'un système d'assurance maritime nationale, la construction des bureaux des représentations territoriales, le renforcement des capacités de réponse du SEMANA en cas de naufrage nautique, le renforcement du cadre légal et réglementaire de l'administration maritime, la construction des embarcadères, la surveillance et la protection des ressources halieutiques, la création des conditions optimales pour attirer l'enregistrement des navires étrangers sous le pavillon haïtien. J'invite tous les bailleurs de fonds à jeter un regard plus attentif sur le secteur maritime qui a besoin d'aide au développement. J'invite le ministre de la Planification et de la Coopération externe à penser davantage au secteur maritime dans sa planification annuelle de développement. Le secteur maritime est important pour l'État en ce qui lui a permis de collecter comme recette douanière à travers les ports internationaux. Ma mission est de m'évertuer à travailler en vue de faire des mers haïtiennes le réseau sanguin de l'économie nationale parce qu'elles sont un réservoir inépuisable de richesses. Témoigne de la magnificence et la grandeur de Dieu. Je suis arrivé ce matin ici, franchement j'étais émerveillé pour le changement qu'ils ont apporté ici. Toutes mes félicitations, monsieur le directeur. Parce que quand il a demandé de venir ici, je me suis dit, mais ben, monsieur Abdou Kondé, et puis la même vite au vide dans l'inauguration, il a duré 10. Et franchement, j'ai eu une surprise très agréable ce matin pour voir le changement qu'il a apporté ici. Je profite aussi pour présenter toutes mes félicitations aux employés, aux architectes, aux ingénieurs qui ont travaillé pour rendre cet espace aussi attrayant. Toutes mes félicitations. Le DG vient de me donner une responsabilité, c'est l'histoire de l'autobus. Bon, nous parlons contre notre bus là, mais j'attends quand même la réquisition, du moins une lettre de demande pour l'autobus. Pour l'autobus, j'ai dit, j'ai entendu deux autobus, j'ai dit pour l'autobus. Alors, dans le président de la République là, dans nos personnellement, dans nos tout personnel, ministère de planification avec Primature là, m'a souhaité nous bonne fête de l'indépendance, 1er janvier, et puis bonne année 2021. Spécialement dans le département de l'Ouest, côté qu'on a touché tout quartier populaire. Pour le moment, nous commençons Badelma. À partir de l'année prochaine, si Dieu veut, nous avons avancé vers d'autres quartiers populaires. Côté que Timounio, c'est même possible nous, parce que nous sommes une organisation sociale, à but non lucratif, apolitique,
qui là pour nous travailler dans la réinsertion, dans l'intégration de la société. Donc la situation est très criante, surtout à travers le quartier populaire que nous observons le travail, que nous visitons déjà. Grand pile de monde qui tombe enceinte en vent l'air. Grand pile de monde qui lève chaque jour, même plage aux parents, au pas cabaret pour manger. Les que nous gagnons une équipe psychologue, moniteur qui sortit avec le quartier ça. Là nous vivons, donc nous gagnons pour faire une visite d'idée début l'année prochaine avec la presse. Pour nous montrer nous gentils, nous sommes contents parce que nous-mêmes nous avons senti que nous-mêmes nous sommes plus contents. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous engagons nous parce que quand c'est petit, nous ne pouvons pas contrôler. Parce que nous connaissons que l'aspect économique, l'aspect social, qui j'ai délaissé dans le pays, nous ça fait grand petit, nous avons une situation difficile. Nous-mêmes nous voulons mettre les mains dans le pape là avec tout le monde qui voulait venir nous rejoindre nous pour nous dire au moins après 5 ans, 10 ans, mais pour bien nous-mêmes nous avons aidé. Donc dans la reconstruction Haïti, donc c'est ça qui a commencé parti. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer ti cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.